tes dieux, mais que tu es un véritable, tu es un unique Dieu. Reçois, Seigneur, toute la gloire qui t'est due au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom God de bless you in the name of Jesus. Nous sommes en 2018. We are in 2018. Nous sommes au début de l'année. We are in the beginning of the year. Dans le premier mois the first de l'année. Of the year. Et cela est important. And that is important. C'est une année nouvelle qui commence. It's a new year we starting. Quand tu commences quelque chose, when you start something, il faut commencer cette chose-là dans ce qui est bon. You have to do it in good things. Si tu commences à la perfection, if you start in perfection, c'est sûr qu'à 100% tu vas terminer sur la perfection. It's sure that you will end in perfection. Mais si tu commences mal, but if you start badly, il te sera difficile de pouvoir te rattraper en cours de route. It will be difficult for you to end well. Il ne faut pas aimer les choses de dernière minute. Don't like thing of quand tu as l'opportunité de pouvoir commencer quelque chose, when you have the opportunity to start something, il faut le faire. You have to do it. Quand tu as l'opportunité de pouvoir entreprendre quelque chose, when you have to entertain something, entreprendre cette chose-là, you have to do it. Ne dis pas non, demain je vais le faire. Don't say tomorrow I will do it. Ne dis pas non, le mois prochain je vais le faire. Don't say next month I will do it. Demain ne t'appartient pas. The future doesn't belong to you. C'est qui t'appartient. Today is for you. Parce que tu vois aujourd'hui. Because you see the present time today. Demain appartient à Dieu. Tomorrow belongs to God. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Because he's the master of time and circumstances. Si Dieu te permet de voir ce jour. If God allows you to see this day. Ce que tu peux faire aujourd'hui, là, fais-le. What you can do today, do it. Parce que ce n'est pas sûr que demain tu puisses voir le jour. Because it's not sure that you will be alive. Que demain tu puisses faire ce que tu avais résolu faire. And be able to do what you have decided to do. Le Seigneur dit à ta résolution répondra le succès. The Lord said you will have success through what you have decided. La résolution ferme d'entreprendre ce que tu veux entreprendre aujourd'hui. Take the decision to do what you want to do today. Pendant que le Seigneur te donne l'opportunité de voir ce jour. While the Lord is giving you the opportunity to see. Afin de pouvoir voir l'accomplissement de Dieu et ses promesses dans ta vie. In order to see the fulfillment of God in His promises. Le thème d'aujourd'hui c'est le lien. Le péché lien de la mort. Sin, link of death. Le péché sin, lien de la mort. Link of death. Le péché est le lien de la mort. Sin is the link of death. On ne peut pas vivre sans penser à la mort. We cannot live without thinking about death. Au début de la création, ce n'était pas ici. At the beginning of the creation, it was not like this. Au début de la création, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. God had not created man for him to die. Mais Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. He has created him in order that he can live eternally. Mais quelque chose est arrivé. But something happened. Et à partir de ce jour-là, and from that day, l'homme a commencé à vivre ce qu'on appelle la mort. Man has started to die. La mort, c'est d'être séparé. Death is to be separated. La mort physique, c'est la séparation du corps et de l'âme. The physical death is the separation. Lorsque ton âme, ton esprit se sépare de ton corps, on dit tu es mort. When your soul and your spirit are away from your body, we say that you are dead. L'éloignement aussi est une mort. To be far is a kind of people. Quelqu'un qui allait loin de toi, someone who is far from you, il met un écart entre toi et lui. There is a gap between you and him. Vous n'avez plus la possibilité de vous voir. You don't have this opportunity to see each other. C'est un type de mort. It's another kind of death. Mais avec la modernisation de la technologie, but now with technology, on essaie d'annuler cette mort qui est l'éloignement. They try to cancel that debt that is to be far abroad. Par le téléphone. By the phone. Par la vidéoconférence. By video conferences. Partout par la technologie, on essaie d'annuler cette mort de la séparation. By technology, we try to cancel that debt that is taken. Voyager, aller loin de l'autre. Travel, go far from the other one. Donc, voyager, c'est mourir un peu. To travel is to die a little bit. Mais ce n'est pas mourir totalement parce que tu se peux que tu reviens pour cette personne. But not a fully death because you can come to see. Homme frère, le péché, c'est le lien de la mort. Sin is the link of death. Tu ne peux pas commencer cette année-là dans la mort. You cannot start this year in death. La mort est la séparation aussi avec Dieu. Death, which is the gap between you and le God. Le péché sépare l'humanité de Dieu. Sin separates man from God.
Le péché nous sépare de Dieu. It separates us from God. Et quand quelqu'un est séparé de Dieu par le péché, and when you, there is a gap between you and God by sin, c'est aussi une mort. It's another kind of death. Ça c'est la première, une des premières, une des morts. It's one of the death. La première mort c'est la mort physique. The first death is the physical death. Et la seconde mort dont la Bible nous parle c'est la mort éternelle. And the second one is eternal death. La mort définitive. Où tu seras jeté dans le feu éternel. We'll be cast out. Une séparation éternelle. It's an eternal separation. Où les pécheurs, les méchants vont brûler dans l'éternité. Where all the wicked, the sinners will burn. Ce n'est pas de la blague. It's not a joke. Ce n'est pas de la plaisanterie. It's not a joke. Ce n'est pas de la religiosité. It's not a religious matter. On ne dit pas ça pour faire peur aux méchants. We are not doing it to make people happy. C'est la vérité. It's the truth. La vérité que Dieu a donnée à l'existence humaine. It's the truth that God gave to humanity. Nous devons plus le craindre. In order that we can. C'est-à-dire de respecter, d'honorer. To respect him and honor him. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23. It is said in Romans chapter 6. Romains chapitre 6, Romains 6, 23, verse 23. On fait la lecture. Let us read. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6. La Bible dit ceci. The Bible says. Car le salaire du péché c'est la mort. For sin pay is wage death. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. But God's free gift is eternal life in you. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. The salary of death. Les conséquences du péché c'est la mort. Of sin is death. Les retombées du péché c'est la mort. The outcome of sin is death. Celui qui pêche, the one who sins will die. Mourra. Die. Il ne s'agit plus là de la mort physique. We are not talking anymore about physical death. Mais de la séparation définitive avec Dieu. But to be separated definitively. Pour être jeté dans l'éther ardent de feu et de soufre. To be cast out in the fire. Ce qui est la seconde mort. What we call the second death. La seconde séparation éternelle avec Dieu. The second separation with God. La séparation définitive avec Dieu. The definitive separation. Mais après la seconde mort. We call the second la première mort, c'est la mort physique. The first death is physical. Tous nous mourons de cette mort. All of that we die of that death. Parce que la Bible dit que c'est le chemin de toute la terre. So the Bible says the way of all. Mais après cette mort, là, after that death, physique est la première mort. That physical death with the la Bible dit que vient le jugement. The Bible says that it's coming the judgment. Après la mort vient le jugement. After death is coming the où chacun va comparer devant Dieu. Where everyone will be pour rendre compte de ses œuvres. To pay all things we have done. Quelle que soit ta race. No matter your race. Quelle que soit ta nation. No matter your nation. Quelle que soit ta langue. No matter your language. Quelle que soit ta vie sur cette terre. No matter your life on this la earth. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. The Bible says after death coming judgment. Voilà pourquoi l'homme sensé quand il vit, il pense aussi à la mort. That's why when a man is living, he is thinking about it. Parce qu'il sait un jour, il va se retrouver devant son Créateur. Because he knows that one day will be le Dieu des cieux et de la terre. The God of heaven and earth. Le salaire du péché, c'est la mort. The salary of sin is death. Mais qu'est-ce qu'on appelle le péché en réalité? What do we call sin really? Le péché, c'est quoi? What is sin? Qu'est-ce que c'est que le péché? What is sin? Et où a commencé la mort? Where death has started. La Bible dit dans le livre de Genèse. It is said in Genesis. Genèse chapitre 2. Genesis chapter 2. Genèse chapitre 2. Genesis chapter 2. Verset 15. From 15. Au verset 17. To 17. Genèse chapitre 15, verset. Chapitre 2 du moins. Verset 15 au verset 17. 15 to 17. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. The Lord placed the man in the garden of Eden to cultivate it and guard it. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. He said to the man, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. You may eat the fruit of any tree in the garden. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Except the tree that give knowledge. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. The day you eat it, you will die. Dieu a dit alors. God said to the man. Lorsqu'il a créé l'homme. When he has created. Lorsqu'il a créé toute chose. When he has created everything.
Il a, la Bible dit que Dieu a pris l'homme. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. C'était un paradis sur la terre. Depuis la terre, l'homme, il s'est dit demain, faut cultiver le jardin. To cultivate it. Prends soin du jardin. Take care of the garden. Prends soin du jardin. Take care of the garden. Mais il y a un arbre au milieu du jardin. There is a tree in the middle of the c'est garden. C'est la connaissance du bien et du mal. It's the tree that tu peux manger tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin. You may eat any fruit in the garden. Mais tu vois le fruit de l'arbre qui est là-bas. But except that of that tree, je t'interdis de le manger. I forbid you to eat. Le jour où tu vas manger le fruit de cet arbre-là, and then you will eat that fruit, tu vas mourir. You will die. Tu vas mourir. You will die. Mais au moment où Dieu donnait l'ordre à l'homme, at the time God gave Dieu n'avait pas encore créé la femme. He had not created the woman. Dieu parlait au garçon seul. God was put speaking to the man. Adam était seul dans le jardin d'Éden. Because Adam was alone in the garden. Avec les animaux de champ. With all the animals. Et Dieu a dit à Adam. And God said to Adam. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres de ce jardin. You may eat the fruit of any tree in the garden. Mais tu vois l'arbre qui est là-bas. Except that tree. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Is the tree that gives knowledge of what is heavy ne mange jamais de son fruit. Never eat his fruit. Parce que le jour où tu vas manger ce fruit, là, then you will eat the fruit. Tu vas mourir. You will die. C'est-à-dire tu vas partir dans la terre. You will go under. Tu vas revenir à la poussière. You will go back to dust. Quand Dieu donnait l'ordre à l'homme, when God gave this order, la femme n'était pas encore créée. The woman were not existing. Alléluia. Alléluia. Il est dit au verset 21. Verse 21. De Genèse chapitre 2. Genesis 2. Après que Dieu a donné l'ordre à l'homme. After giving the order to man. Alléluia. Alléluia. Après que Dieu a donné l'ordre à l'homme. After giving the order to the man. Dieu a envoyé tous les animaux de champ. He brought all the animals of the field. Vers Adam. Toward Adam. Pour qu'il puisse choisir une personne, un animal parmi ces animaux-là qui va rester avec lui. In order that I can choose an animal that can stay with him. Avec qui il va vivre. With you. Who he can live. Et même se multiplier. And even multiply. Mais la Bible dit que les animaux de champ sont tous venus vers Adam. The Bible says all the animals came. Dieu les a fait passer l'un après devant Adam. God made them pass. Adam dit que Adam n'a point trouvé d'être de semblable. Adam a not. Il n'a point trouvé parmi ces animaux-là un animal qui lui ressemble. An animal that looks like him. Alléluia. Alléluia. Alors, au verset 21. So verse 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. The Lord. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. The Lord made the man fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of his ribs. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et qu'il l'amena vers l'homme. And he formed a woman out of the rib that he had brought. Au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci cette os de mes os et chair de ma chair. Then the man said, at least is one that on my own king. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Woman is her name because she was taken out. Donc vous voyez que pendant que Dieu parlait, donnait l'ordre à l'homme, dit ne mangez pas le fruit de l'arbre du jardin. While God was giving the order to the man, la femme n'existait pas. Woman will not exist. La femme n'avait pas été créée. She had not been created yet. Alléluia. Alléluia. C'est plus tard. It's after. Que l'homme, c'est l'homme qui va dire à la femme. It's the man that will say to the woman. Ma chérie. Darling, tu vois de tous les arbres qui poussent dans le jardin. See all the trees in the garden. On peut manger de leurs fruits. We may eat any fruit. Mais un arbre particulièrement, except that tree. Cet arbre ne mange jamais son fruit. Never eat the fruit of this parce tree. Parce que le Dieu qui m'a créé, because the God who has created t'a créé, and who created il m'a donné ordre. He gave me ordre. Que le jour qu'on va manger ce fruit, we will eat the fruit of that. On connaîtra ce qu'on appelle la mort. We will know what we call death. La femme dit, j'ai compris. Yes, I've understood. Et quand le diable est venu à le jardin de when the devil came, il est venu attaquer la femme. He came to attack the woman. La Bible dit que la femme est un sexe faible. The Bible says that woman. Il va attaquer la femme. He has attacked par une séduction, une tentation. By temptation. Et il va amener la femme. And brought the woman. À manger le fruit de l'arbre du jardin. That fruit of the garden. Alléluia. Alléluia. Il a dit ceci. Au chapitre 3. Chapter 3. De Genèse. Of Genesis. La Bible dit au verset 4. Verse 4. Genèse chapitre 3 verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
Mais on va aller à partir du verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous entendez ça? Qui a donné cette information à la femme? Who gave the information to the woman? Parce qu'au moment où Dieu parlait, alors, when God was talking, la femme n'était pas là. The woman was not there. Donc c'est son mari sûrement qui l'a informé. It was her husband who told her. Mais ce que Dieu a dit, what God has said, et quand Satan venu séduire la femme, Satan came to pour l'amener à manger le fruit de l'arbre du jardin, lead them to eat the fruit of the garden. L'arbre interdit. But they forbidden to eat. La femme va dire à Satan, the woman will say to the devil, to Satan, il est dit qu'on ne doit pas manger ce fruit-là, sinon on va connaître la mort. It is said that we will not eat the fruit of that tree. Plus tard, la femme va succomber à la tentation. She will fall. Elle va manger le fruit de cet arbre interdit qu'elle va manger. She will eat the fruit of the tree. Elle va aussi donner à Dieu. And she gave to Adam. Du moins, Adam. Elle va aussi donner ce fruit-là à Adam. She will give the same fruit. Oh mon frère, le péché a été consommé. Une désobéissance venait d'être commise. Et disobéissance a été done. La désobéissance. Disobéissance. Qu'est-ce que c'est que le péché? What is sin? Le péché c'est quand on désobéit à l'ordre de Dieu. It when we disobey God. C'est quand on désobéit à la parole de Dieu. When we disobey to the word. C'est quand on appelle péché. What we call sin. Alléluia. Alléluia. Puisque ils ont mangé, as they have eaten. Le fruit de l'arbre que Dieu avait dit de ne pas manger. That God forbidden them to eat. Alors Dieu, so God, comme dans le jardin plus tard, puisque la Dieu avait les rendre visibles. Will come after the garden to visit them. Ils ont entendu la voix de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? They will have the voice of God. Ils ont désobéi la parole de Dieu. And they disobeyed the God. Dieu a commencé à prononcer des conséquences de la malédiction de la désobéissance. God started to say the consequences. Il va dire au serpent premièrement. And he will say to the snake. Toi, le serpent, you snake from today. Tu vas ramper sur ton ventre. You will roll in your belly. Tu vas manger la poussière de la terre toute ta vie. You will eat the dust of the earth all your life. Alléluia. Alléluia. Toi et la femme, je vais mettre inimitié entre vous. I will put a quarrel between you and the woman. Tu vas prendre ton talon et elle va t'écraser la tête. She will throw your head. Quand il a fini avec le serpent, il dit, toi la femme. When he finished with the snake, à partir d'aujourd'hui, today. Tu vas connaître des grandes souffrances lorsque tu vas commencer à accoucher. When you will be pregnant, you will have des souffrances très douloureuses. When you will give birth, you will. Mais malheureusement, cette douleur là, despite all this, tes yeux se porteront vers ton mari. You will desire your husband. Et il dominera sur toi. And he will rule you. Tes yeux vont se porter vers ton mari. Il va dominer sur toi. Your husband will rule you. À l'accouchement, tu vas souffrir. When you will give birth, you will suffer. Et en plus de cela, ton mari va dominer sur toi. In addition to that, your husband will be your chief. Mais malgré cela, tu vas toujours te porter vers lui. Then always tu vas toujours aspirer vers lui. You will desire. Donc comprenez pas qu'elle se comporte comme ça. So you have to understand. Tu vas dire à l'homme. We said quand il a fini avec la femme. When he finished. Toi l'homme. You man. À partir d'aujourd'hui. From today. Ça la sueur de ton visage que tu vas manger. And you will eat. Ça force le travail que tu vas avoir à manger. You work hard before find food to eat. La terre que tu vois, help that you va te pousser des ronces et des épines. It is brought form. À partir d'aujourd'hui, from today, tu vas connaître ce qu'on appelle la mort. You will see what tu es poussière et tu retourneras. You are dead. You will go back to the dead. Il est dit au verset 19 de Genèse chapitre 3. Verse 19. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. You have to work hard and sweat to make to soil. Tu as été pris. Until you go back. Quand tu es poussière et tu retourneras à la poussière. You have been made from soil and you will go back to soil again. Tu dis. God said. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. You have been made from soil and you go back to soil. You will die. Alléluia. Alléluia. Donc, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Sin is disobedience. Donc, c'est Adam et Ève,
Our ancestors have ont désobéi à Dieu. They have disobeyed God. Ils ont mangé le fruit de l'arbre dont Dieu leur avait interdit. They ate the fruit that God has forbidden them to eat. Et depuis ce jour-là, that day, la mort est rentrée dans l'humanité. The human les hommes ont commencé à mourir. Men have started to die. Hallelujah. Hallelujah. Le premier à expérimenter la mort fut Abel. And the first to die was Abel. Le deuxième fils de d'Adam et Ève. The second son of Adam and Eve. Il a expérimenté la mort. He had experienced Dieu that. Dit, God said, si tu pêches, tu vas mourir. If you sin, you will die. Et nos ancêtres ont péché. Donc la mort est rentrée dans les gènes de leur corps. So sin entered in their la mort est rentrée dans leur fille. Mais puisque tous nous descendons de, all of us are coming out of them, nous avons les germes de la mort. So we have the gene of death. Parce que nous avons les germes de la vie qui a été corrompue par leur désobéissance. Because it has been corrupted by their disobedience. Et depuis que les germes de la mort est entré dans leur vie, and from the time the gene of, nous on a hérité les germes de cette mort. We inherited that gene of death. Et voilà pourquoi nous aussi nous mourons. That's why today we are dying. Non seulement nous avons hérité les germes de la mort, we inherited all this, mais le péché qu'ils ont commis, nous on a hérité ça. Inherited the sin that they have done. Pourquoi on n'apprend pas à quelqu'un à commettre le péché? That's why we don't learn someone to sin. Quand l'enfant commence à grandir, c'est quand il commence à s'abandonner au péché. When a child is born, and hallelujah, sinning. Oh frère, premier point. First point. On se rappelle aujourd'hui, on a beaucoup de réunions. We won't be long. We have many. Premier point, le péché nous prive de la gloire de Dieu. It is deprived us from the glory of God. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. It deprived us from the glory of God. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. It deprived us of the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit. The Bible says. En Romains 3, 23. Romans 3. Car tous sont privés de la gloire de Dieu. All have sinned and deprived. Tous sont péchés. All have sinned. Et sont privés de la gloire de Dieu. Deprived of the glory of God. Romains 3, 23. Romans 3. Il a dit ceci. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. All have sinned and tous les hommes ont péché. All men have sinned. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. And they are, quand quelqu'un vit dans le péché, when someone is living in the sin, il n'a plus accès au règne de Dieu. He doesn't have access il to the plus accès à la bénédiction. He doesn't have access la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. The glory of God is the presence la gloire de Dieu, c'est le règne de Dieu. The glory of God is the la gloire of God. De Dieu, c'est l'intimité de Dieu dans la prière. The glory of God is the intimacy of oh, God frère, the prayer. Écoute, I know. Listen to me. Quand tu vas désobéir la présence de Dieu, as long as you will disobey the word of God, as long as you will disobey the word of God, as long as you will disobey God, you will never see the reign of God. Tu ne verras pas le règne de Dieu. You won't see the reign of God in your life. Jamais. Never. Tous sont privés de la gloire de Dieu. All are far. Et Christ a bien rétabli cette gloire de Dieu. And Christ came to restore that glory in our la sanctification. In holiness. Il a porté nos péchés. He has put in being our sin. Afin que tous ceux qui vont croire en lui, in order that all those who soient justifiés par la croix, can be justified by his cross, par sa mort, can be justified by his death, afin de pouvoir avoir accès à la gloire, in order to have access to the glory la of God. La croix de Dieu, c'est un jour accéder au royaume des cieux. The glory of God, one day to have access to the glory of God. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. That's why Jesus said, the kingdom of heaven. Tous sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. All are far from the glory of God because of the sin. Le poids de la malédiction à cause du péché. All humankind are under curse because est-ce que les gens refusent d'obéir à la parole de Dieu? People refuse to obey les gens s'accordent à la désobéissance. They are disobeying God. Ils ne sont pas prêts à pratiquer la sainte doctrine. They are not ready to practice. Ils ne sont pas prêts à mettre en pratique la parole de they Dieu. They are not ready to put into practice the word of God. Ils le refusent. They refuse. Même ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Even those who have accepted Christ as Lord and Savior. Ils sont passés par les eaux du baptême. Ils luttent avec le Seigneur. They are struggling ils s'opposent à Dieu. They oppose themselves par leur désobéissance. By their disobedience. La désobéissance est une rébellion. It's a rebellion. Celui qui désobéit s'oppose à celui qui a le droit. The one who disobeys, Dieu a ordonné qu'on ne puisse pas le péché. God said that we do. Dieu a ordonné
mettre en pratique sa parole. Il y a d'autres dans le chapeau. Dieu a ordonné qu'on marche selon lui sa volonté. That we walk according to Dieu a ordonné qu'on marche selon son esprit. Il y a d'autres that we walk according to his spirit. Dieu a ordonné qu'on écoute sa parole. Il y a d'autres that we listen to his word. Dieu a ordonné qu'on soit assidu à l'église. That we are present in the church. Dieu a ordonné qu'on vive en communion fraternelle. That we live in fellowship. Dieu a ordonné que tu ne sais pas de l'impudicité du mensonge. Il y a d'autres that you are part. Dieu a ordonné que tu ne sais pas du mal. That you separate yourself from envy, pride and hypocrisy, pride and hypocrisy, selfishness, and greatness. Separate yourself from adultery, all that is debauchery. Separate yourself from any pecan. And you are continuing to see. Tu veux voir la gloire de Dieu. You want to see the glory of God. Ça ne marchera pas. It will not work. Tu continues d'amener à l'alcool. You are continuing to drink alcohol. Au tabagisme. Tabacco, à la drogue. Et puis tu veux voir la gloire de Dieu. You want to see the glory of God. Et sais-tu pas que Dieu a privé sa gloire de l'humanité? You don't know that. Mais à cause du péché, que la désobéissance à la parole de Dieu, the disobedience to the word of God, et le Christ est venu, and that Christ came, pour rétablir cette gloire dans notre vie, to reestablish that glory by sa mort, by death, en nous sanctifiant, by making us en nous purifiant, by purifying us, il dit allez partout le monde, and say go everywhere, annoncez la bonne nouvelle pour the gospel to all the Christians. Celui qui croira, the one who will believe, sera baptisé sera sauvé. The one who will believe the cross, sa mort et sa résurrection, in his death and resurrection, et il aura accepté comme Seigneur de sa and vie, will accept him as Lord of his life. Celui qui va régner sur sa vie, the one who will reign sans partage, without, vous voulez partager vos sentiments, vos émotions avec le monde, you want to share your feeling and emotion vous voulez partager vos désirs, vos convoitises avec le monde, you want to share your desire, et vous voulez voir la gloire de Dieu, and you want to ça ne marchera pas. Satan sait que cette année, il va te restituer ce qu'il t'a volé de cette précédente. You back what he has stolen from you. Mais il va tout faire. And he will do his best. Pour remplir ton cahier. To fill your copy. Un cahier de lui tient. That he is keeping. Nous avons déjà rempli la voiture du cahier. Many have filled the half of the copy. Parce que depuis le premier, le quatrième, ils ont commencé à pécher. They go from the first of this January. Nous avons commencé à mentir. They started to lie. Nous avons trompé leur mari. To be unfaithful to their wife. To be unfaithful to their wife. Cette année déjà. This year. Il a déjà commencé. He has started. À mentir encore. To lie again. À voler. To steal again. À escroquer. To drug people. Les péchés qu'il a péché, qu'il avait commis en 2017. Sin that he had made. Il a encore dans 2018. He's still in 2018. He's refusing. Il a refusé d'abandonner. Il refuse de se vivre. Il sera privé de sa gloire. The Lord say you will be far from the glory. You will not see the rain in your life. Parce que lui n'exauce pas le péché. Abandonne ton péché. Your sin. Change de vie. Change your life. Cette année 2018. This year 2018. Tu dois te réconcilier. You must be repentant. Tu dois dire non. Je vais relever le défi. I will make a challenge. I will live in purity. Je vais être véritable chrétien. I will be a real Christian. Je vais tout faire pour ne pas manquer un seul culte du matin. Not that to miss any je vais tout faire pour assister au culte du soir. I will do my best to. Je vais m'acquitter de mes obligations cette année. I will be regular. Cette année, this year, Christian. Ça passe ou ça casse. Je serai un véritable chrétien. I will be a real Christian. Engagé pour la cause de l'évangile. Cette année, c'est cette année. This year, this year. La Bible dit, il a plus de joie dans le ciel. There are more joy pour une âme qui se convertit à Christ. Cette année, la Bible dit, je dois amener quelqu'un à l'église. I have to bring someone to church. Un canal que Dieu m'a utilisé. I will be a tool that God is going to use. In order that someone will say, to have eternal life. Je dois aller arracher quelqu'un. I must take someone. Du royaume de Satan. From the kingdom of Satan. Pour le royaume de Dieu. And bring him in the kingdom of God. Reçu le pouvoir, people have received the power de faire, to do it. Diable. Certains travaillent pour priver la gloire de Dieu. Satan is working to make you go fast. Mais vous amenez tout simplement aller vivre dans le péché. By bringing you to live in the sin. L'orgueil. Pride. Le Congo ça. Pride.
la convoiteuse. Both by recalling slanders, la médisance, slanders, la diffamation, to spoil name of others, l'accusation, to accuse others, les fausses accusations, les faux trucs, les mensonges, false accusation, lies. Satan va vous amener à mentir les uns sur les autres. Satan will bring you to lie. It's parce qu'il veut pas te restituer ce que tu as. He doesn't want to give you back. Il te doit. He knows that the only thing that can give you the right to take what belongs to him. He knows that the only thing that is when we are obeying the word of God. Say to Satan. Repeat after Satan. This year. This year. Je suis plus un fan de Satan. Je suis un fan de Satan.
Hallelujah.
2 Corinthians, chapitre 5, chapter 5, verset 15, verse 15, 2 Corinthians, 2 Corinthians, chapitre 5, verset 5, verse 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu vois? You see? Quand quelqu'un est en Jésus, when someone is joined to Christ, il est une nouvelle personne. He's a new being. Tu n'es plus comme avant. You are no more like. Les choses d'avant sont passées. All the things have gone. Les choses d'avant c'est quoi? What is your le péché est passé. The sin has gone away. Voilà. Le péché est passé, si la vie est. La malédiction du péché, la vie est passée. Tout le monde est comme il disait. Et puis la pauvreté financière reste à peine passée. Ton chômage est du passé. Le célibat, c'est du passé. Jésus. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.